Plus que 10 ans devant moi, la triste prédiction de Jane Birkin en 2013. Dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans. Une triste perte pour sa large famille sur laquelle elle a pu compter dans les bons comme les mauvais moments. Il y a plus de 10 ans, la chanteuse avait dû affronter une leucémie. Une maladie qui lui avait inspiré une phrase difficile. Dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans. Chanteuse et actrice iconique, elle a été affaiblie par un AVC survenu en 2021. Depuis, l'artiste s'était faite quelque peu discrète. Même si elle assurait auprès du Parisien en janvier 2022 que les soins intensifs, elle, connaissait, par cœur, Jane Birkin avait vu son rythme de vie ralenti. En mai 2023, elle avait annoncé être trop fatiguée pour remonter son scène, comme c'était prévu. J'ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. Vous me manquez, avait-elle expliqué dans un communiqué de presse. Un peu plus tôt en 2023, elle déplorait auprès du Matin de ne plus avoir d'immunité. J'ai eu le COVID 6 fois. C'est quand même incroyable. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je n'ai malheureusement pas du tout d'immunité à cause de ma leucémie. Il faut que je fasse plus attention. Une leucémie difficile à combattre. Quelques années plus tôt, l'ex-compagne de Serge Gainsbourg avait déjà fait face à des ennuis de santé. En effet, en 1998, Jane Birkin avait été diagnostiquée d'une leucémie. Elle n'a pas estimé que ce cancer était très pénible. La leucémie est une maladie assez fréquente, s'était-elle souvenue en novembre 2019 auprès de Gala. Mais voilà, alors qu'elle avait repris le cours de sa vie, Jane Birkin avait été rattrapée par cette maladie. En 2013, Jane Birkin avait souffert d'une récidive. J'ai compris que je le veuille ou non, que je n'avais plus que 10 ans devant moi. Bon, si je fais comme maman, Judy Campbell, décédée en 2004 à l'âge de 88 ans, NDLR, peut-être un peu plus. Mais, il n'y a pas un moment à perdre, avait-elle confié en 2017 à nos confrères du magazine Paris Match. Un constat tristement prémonitoire.